Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver au potager qui dit non. On va prendre un peu d'altitude cette fois. On survole un peu le blé, on va se rapprocher des potagers. Voilà, on peut constater que les jardins, vus d'en haut, c'est quelque chose d'assez graphique quand même. On va s'approcher doucement du potager qui dit non. Voilà, pour constater essentiellement que j'ai rassemblé cette année mes cultures. Je suis toujours pour le mélange des végétaux au maximum, bien entendu. Néanmoins, j'ai fait le choix de rassembler mes cultures de manière à pouvoir simplement beaucoup mieux les protéger. C'est notamment beaucoup plus facile pour, par exemple, poser un filet anti-insectes, comme je l'ai fait ici sur les choux. Donc voilà les amis, après ce petit tour dans les airs, je vais reposer l'appareil et on se retrouve tout de suite dans le jardin. Bon, voilà, donc ce qui motive un petit peu cette vidéo d'aujourd'hui, c'est la présentation peut-être déjà de ces haricots là, qui vont très très bien. On en a mis pas mal cette année, de différentes sortes. J'ai renoncé aux haricots à rame parce que j'étais pas convaincu finalement de la plus-value en termes de production, et puis bon, j'étais dans l'idée au départ d'exploiter vraiment la verticalité aussi au niveau du jardin pour gagner de la place, et finalement j'ai pas le sentiment que ça ait vraiment été une bonne chose en termes de production. Donc je suis reparti sur des haricots nains de toutes sortes, du flageolet blanc, du lingot hein, donc blanc, du flageolet rouge pour le chili, ce genre de choses, du haricot vert, du haricot jaune, les fameux haricots au beurre. Enfin voilà, on a vraiment diversifié au maximum, et ces haricots ont été plantés, repiqués donc suite à un semis réalisé en pot hein, et ça marche vraiment très très bien. Ça, j'ai fait ça donc à la maison. Je vous rappelle que j'ai pas de jardin hein, donc c'est dans la cour, voilà, dans les plaques, 10 pots par plaque, 10 graines à peu près par pot, et puis voilà. Et après repiquer ici, ça fonctionne très très bien. Ils sont un peu mieux armés contre les attaques de limaces, etc. Ils arrivent déjà un peu en bonne forme déjà dans le jardin. Entre chaque rang de haricots, évidemment il y a du paillage. Et ça, j'en suis très heureux parce que il fait très très sec, hein, vous le savez, c'est la sécheresse, depuis un bon moment il n'y a pas plu ici, et donc ça permet de maintenir une certaine humidité relative, en tout cas pour le moment suffisante, au niveau des pieds de haricots. Le problème toutefois, c'est que ce paillage, d'une part, entretient l'activité des campagnols. Alors ça, c'est vraiment un gros problème hein. Ils viennent soulever un petit peu les cultures par endroits. J'ai un peu de perte à cause de ça, très clairement. D'autre part, les limaces se réfugient aussi à l'abri de ce paillage. On peut voir ici que les attaques de limaces sont pas non plus généralisées, c'est pas très très grave, mais on sait où les trouver maintenant. On soulève un peu le paillage là où on repère une attaque, on soulève un peu le paillage, elles sont là généralement, elles vont se loger au pied de l'endroit où elles se nourrissent quoi. Donc c'est facile à trouver, et puis voilà, on les élimine, voilà. Mais quand même,
pour les gens qui soutiendraient l'idée que ce paillage favorise l'activité des limaces, en tout cas leur permet de survivre dans des conditions un peu sèches comme on est en ce moment, effectivement je le constate, ça c'est très clair, et il semblerait que certains de mes voisins aussi sur d'autres parcelles soient moins ennuyés avec les campagnols que moi je ne le suis ici, hein. Donc ça sous-entend quand même clairement que ce paillage favorise là encore l'activité quand même de ce ravageur qu'est le campagnol. Bon, pour le moment, je fais avec. Je suis pas encore prêt pour piéger, etc. C'est pas pour une question d'éthique, mais je suis à peu près certain que je m'en sortirai pas et que mes pièges seront, soit vont claquer dans le vide, soit pas claquer du tout. Voilà. Donc, pour le moment, je préfère continuer à payer un tribut à ces rongeurs et puis. On va surveiller un petit peu leur activité. Si vraiment ça prend des proportions trop importantes, il faudra envisager autre chose. Le tourteau de ricin dont vous m'aviez parlé précédemment, j'ai essayé d'en trouver, c'est pas possible. En jardinerie, c'est trop toxique. On refuse de m'en délivrer. J'ai appréhendé deux jardineries différentes et puis c'est pas possible, j'arrive pas à en avoir. Donc j'en trouve sur la toile 25 kg, 25 euros et 25 euros de porc. Ça, je trouve ça un peu cher, quoi. Je sais pas. Là, je pense que ce produit serait vraiment intéressant, mais il faut que je réussisse à en trouver en proximité, quoi. Ça, c'est encore une autre question. Voilà. Donc, on voit très très bien ici les dégâts, hein, de ces campagnols. Voilà, mes haricots qui avaient été repiqués ici, donc, et les campagnols qui viennent soulever complètement la motte. Donc, je vais. Voilà. C'est très meuble, hein. Je vais pouvoir les remettre en place. Quand je les vois, voilà, quand je me rends compte de ça assez rapidement, ça va. On remet en place un petit coup de flotte et puis c'est reparti. Si je ne le vois pas tout de suite, par contre, ça peut vraiment poser de gros problèmes. Voilà, donc ici vous êtes devant l'une des planches de poireaux, donc pareil, hein, plantation au trou et puis paillage soigneux entre chaque rang, de manière à maintenir l'humidité dont j'ai besoin dans cette période particulièrement sèche, essayer de garantir en tout cas la reprise de ces poireaux. Peut-être que par la suite, on viendra poser un filet anti-insecte pour protéger ces poireaux de la mouche. Nos concombres ici sont bien partis, sont magnifiques. Enfin, donc il y a trois pieds, hein, sur ce morceau de treillis soudé, il y a trois pieds de concombres qu'on va faire courir. Ce qui est important, c'est qu'en fin de compte, ce sont c'est la troisième ou quatrième série de trois plants de concombres qu'on a installés comme ça cette année, hein. Et d'une manière générale, en fin de compte, on a raté absolument toutes nos cucurbitacées. On peut voir un peu devant ici, je crois, des butternuts. Il y a deux beaux pieds de butternuts que j'ai récupérés à mon copain Seb, d'ailleurs merci Seb encore, parce que voilà, ils sont magnifiques, il y a déjà les premiers fruits dessus, c'est très bien. Pour ma part, tout ce que j'ai tenté en cucurbitacé, tout ce que j'ai semé à la maison, a été pris d'un champignon, je pense, hein. C'est le feuillage, une fois installé au jardin, hein, à la maison tout allait bien, une fois installé au jardin, le feuillage devenait complètement gris, un peu couleur plomb en fin de compte. Et puis ça mourait, quoi, et la plante mourait en quelques jours. Donc j'ai perdu absolument tous les concombres, les potimarrons, les potirons, les courgettes, enfin tout ce que j'ai pu semer comme ça à la maison et ramener ici au jardin est mort. Donc une catastrophe. Heureusement que j'ai été dépanné par les copains, encore une fois. Ces concombres-là viennent de la jardinerie. Ils ont résisté, les précédents étaient morts également, enfin c'était vraiment très très compliqué. Bon, l'année dernière on n'avait pas trop de betteraves, cette année on n'aura pas trop de courges d'une manière générale. Le jardin, c'est ça aussi, quoi, hein. On va réussir un certain nombre de choses, rater d'autres choses. Pour nous consoler, on a fait une très très belle récolte de petits pois, hein, sur l'équivalent d'à peine une planche de culture comme celle-là, donc un peu moins de 5 mètres carrés, on a fait quelque chose comme 7 kg, 7 kg et demi, je crois. Donc c'était vraiment intéressant.
Ces petits pois d'ailleurs avaient été semés de la même manière que les haricots, c'est-à-dire en pot. Et puis on est venu les repiquer ensuite en rang bien serré ici dans le jardin, des petits pois nains. Ça a très très bien fonctionné, quoi. Bon voilà, c'est les aléas du potager, hein. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres non. Mais quand même, sur l'idée de semer à la maison, on va intervenir là-dessus. Donc on a récupéré une petite serre à étagère là, hein, les petites serres vraiment destinées à accueillir les semis à une copine. Donc on va pouvoir entreprendre sans doute les semis de courge l'année prochaine, mais à froid, hein, à l'extérieur, à l'abri de cette serre, plutôt que dans la maison, quoi. Et on verra si ça fonctionne, si ça fonctionne mieux. Si ça ne va pas, ben ce qu'on fera, c'est qu'on achètera les plants dont on a besoin. Enfin, après, c'est vrai que sans avoir de jardin à la maison, j'encombre un petit peu le patio là avec mes semis chaque année. Tout ça pour au final récupérer 3 ou 4 plants à mettre, puisqu'on n'en met pas énormément non plus sur le jardin, il n'est pas très grand. Hein. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon, cette année, ça valait pas le coup du tout. Il y aura toujours les tomates qu'on continuera à semer, puisque là, c'est mon petit plaisir. C'est vrai que c'est sympa de semer et de voir grandir les tomates jusqu'au moment où on va les installer dans la serre, quoi. Ça, je vais pas renoncer à ça, puis ça fonctionne très bien. Mais pour les courges, vraiment, je suis en pleine interrogation. Donc l'année prochaine, on tente, mais plutôt à l'extérieur. Et puis, si ça fonctionne toujours pas, ben, on achètera les plants, et puis voilà, terminé. Les tomates dans la serre se développent très très bien, avec vraiment une grosse préférence pour la cœur d'Albenga, qui encore une fois marque la différence cette année avec les autres variétés. Et alors un gros bémol également sur la variété Édouard, qui était supposée être très précoce et qui finalement me donnera peut-être quelques tomates, mais après les autres, ça fonctionne pas du tout. Chez nous en tout cas, hein, voilà, ça ne fonctionne pas du tout chez nous. Donc sur les années à venir, fort de cette petite expérience de 3 ans, là maintenant c'est notre troisième année, on va quand même s'attacher à resserrer un peu sur les variétés dont on sait qu'elles fonctionnent très très bien, et on va peut-être un peu moins tester puisqu'on n'a pas beaucoup de place, et que quand on prend des risques comme ça que ça fonctionne pas, ben voilà, ça se traduit par de la place immobilisée pour rien, c'est un peu dommage. Ici nos aubergines, donc ça fonctionne pas très bien. En serre, c'était raté l'année dernière. Dehors, ça a pas l'air beaucoup mieux cette année. Bon, à suivre. C'est un légume qui semble un peu compliqué à appréhender. Donc vous pouvez le constater, vos commentaires ne sont pas inutiles. Très loin de là, on a décidé de bien vous écouter cette année. Et contrairement aux 2 années précédentes, on va vraiment attendre la fanaison de ces oignons avant de les ramasser. Donc là encore, je vous ai écouté et j'ai posé un filet anti-insectes sur les choux. D'ailleurs, j'ai entouré quelques betteraves avec parce que j'ai remis quelques choux dans la continuité. Donc les betteraves sont, elles aussi, même si elles n'en ont pas besoin, protégées par ce filet à insectes. Voilà, donc ici, ben les murs sans épines qu'on avait entrepris d'installer de manière verticale sur ce support, ça fonctionne plutôt bien. Donc les murs fructifient sur le bois de 2 ans. On les avait plantés l'année dernière, évidemment on n'avait rien eu. Et puis cette année, eh ben voilà, c'est bien, vraiment bien garni. Et on peut déjà imaginer que l'année prochaine, on aura voilà de la verdure jusque là-haut à peu près. Et puis c'est un dispositif qui devrait tenir ses promesses. Ça c'est vraiment une bonne chose. Ici au pied, donc on va trouver ce crottin que je viens de déposer. Donc on est toujours sur la même démarche, on continue d'apporter cet activateur biologique au niveau de notre sol, hein, au fur et à mesure que les parcelles se libèrent. Quand j'aurai retiré les oignons, par ailleurs, on viendra également recharger en crottin par exemple. À ma gauche, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais encore des poireaux, puisqu'on en a mis 500. Ça peut faire beaucoup pour nous deux, mais il y a quand même 10% de prélèvement par les campagnols à peu près, c'est ce qu'il y avait l'année dernière. Et puis c'est un légume qu'on aime beaucoup partager l'hiver, ça fait plaisir de faire plaisir aux copains avec quelques poireaux de temps en temps. On a un peu de place, voilà, on a chargé un peu en poireaux cette année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc merci de nous avoir suivis cette fois encore au Potager qui dit non, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.